Et salut à tous, salut tout le monde. Salut à tous, salut tout le monde. Non, c'était naze ça. Salut YouTube, pardon. On va continuer l'aventure dans le manoir d'Oblivion. Who was it? Who's most important to me? Nothing. Can't you remember? No, I only remember Naminé. Come on, do you guys remember anything at all? It's important, but I just can't remember. I don't want to be, but I'm getting scared. Then, we should really make a promise. Huh? What you said back there kind of got my brain, thinking. Whenever you make a promise that's super duper big, maybe it gives you the courage to face the scary stuff. Courage? Yeah, let's do it! And when if we get scared, or in trouble, even if we get separated. Or even if we sort of forget each other. Whatever happens, we're friends. All for one and one for all! On arrive clairement, dernier niveau. Manoir Oblivion. Oh, je vais revenir sur moi. Comment il me contre là Mais comment Mais ils ont des 8 en fait, je crois ça. C'était quoi, c'était carte attaque? Ah, je me souviens plus de l'ordre. Trinité. Ça a l'air pas mal, hein. Ah, il y a une carte.
un réconfort. Enfin, une clé. Bon, on va pas se mentir, ils sont un peu relous, les mobs de ce niveau. Ils sont un peu relous. Faudrait que j'ombre en fait. Si j'ombre, c'est ok. On va travailler comme ça. Deux ombres en fait. Très bien comme ça, je pense. Freeze!
J'en ai pas mal de vie quand même. Oh. Petit Cloud. Cloud 2. Fossile pour fossile, hein. Vas-y, ça leur fait un regard. Yeah. Freeze. Heal.
Destin, elle était worse à farmer là. Là, ça me l'est pas du tout, non. Les gold. C'est pas des gold. On s'en fout. Les cartes attaques sont plus efficaces, ça peut être pire aussi. Après, sinon, j'ai un local apaisant. Ça peut être pas mal aussi. Après, tout dépend en fait s'il faut que j'XP ou pas. C'est ça que je sais pas. Parce que là, je sens que je vais manger les. Je pense que là, il est l'heure. Il est l'heure que je me mange les boss finaux là, du jeu. Donc. Et salut Vizares, comment tu vas? Comment vas-tu? Putain, le coffre il est. Il est joli. Il est joli en fait. Hein. J'ai que ça à péter dans la pièce là. Les colonnes on peut pas. Bon bah ça fait pas beaucoup de choses. Ouais, ça va, j'ai eu tempête rageuse, ouais, waouh, ça a l'air stylé comme attaque, mais je la ferai pas. qu'est-ce que j'ai eu une bonne surprise, enfin c'est une mauvaise surprise, tout à l'heure, genre quand j'ai lancé le live, je suis arrivé à Cité du Crépuscule, et j'ai farmé pendant 2 heures pour monter un peu à niveau, enfin je faisais le niveau et en même temps je mettais que des pièces monstres pour farmer. 2 heures, je tombe devant le boss de la cité crépusculaire, donc c'était Vexen encore une fois, mais en plus fort. Donc il me tue, donc je fais continuer pour le rebattre directement. Et là, le jeu plante. Le jeu plante. Et j'avais pas sauvegardé en fait. Enfin, je mets pas de sale sauvegarde en fait, j'en mets jamais. Du coup, ma seule sauvegarde datait... 2 heures avant, juste avant que j'entre dans le niveau. Du coup, j'ai bien eu les boules. Du coup, je l'ai refait en 1 heure, voire même moins d'une heure. Et à un moment, il y a un de mes potes Raza qui est venu sur le live et qui m'a dit oh, vas-y, tente le boss, je veux le voir avant de partir. Je fais bon, bah si tu veux, mais je le réussirai pas quoi. Et au final, je l'ai réussi du premier coup. Donc
J'ai gâché 2 heures de... 2 heures de farm que, au final, ne m'ont même pas servi. Enfin, même si elles n'existaient plus, vu qu'elles ont été effacées, elles m'ont même pas servi. Parce que j'ai réussi à battre le boss juste en me concentrant un peu et en tryhardant. Donc... Mais bon, ça aurait pu faire 2 heures d'XP en plus quand même, quoi. Parce que là, je sais pas si je vais en avoir besoin, en fait. C'est ça le problème. C'est ça le grand problème. Est-ce que je me mettrais pas une sale moque? Je suis à combien? Est-ce qu'on peut voir quelques... Point moque 1003. On peut peut-être se... Et j'ai une mascarte. On peut peut-être se faire une sale moque. Hein. Faisons ça. Faisons une sale moque. Bon, ça va être la partie relou. Hein, ça va être les cartes. Ça va être le deck. Ça va être la partie relou où je vais sûrement refaire tout mon deck si j'ai des cartes qui me bottent. Attends, il y a des trucs là. Attends, mais il y a des trucs. C'est pour signaler que c'est... Attends. Ça me donne des trucs ça, non? Ah yes! Chaîne Royale 8, ça commence bien. Ça commence très très bien, une petite chaîne Royale 8. Ok, c'est que du heal. En plus, si j'ai tapé sur ça. Yes. Alors, déjà, deck gratuit. 4, 5, 4, 4, 4, 3. Nul. Naze. Nul à chier. Alors, le truc c'est que putain, on arrive à la fin du jeu et j'ai pas envie de supprimer mes cartes parce que on sait jamais en fait. En fait, on sait jamais parce qu'il y a tellement d'attaques avec des niveaux de cartes bas que ça me fait peur de jeter mes cartes en fait. Wow, il y a des decks à 500. Ah ouais, on est vraiment sur la fin du jeu là, deck à 500. Vas-y, j'achète direct. Une 7, une 0, une 0. Merde. Merde, c'était nul. On va repartir sur refaire un deck, hein, je pense. Putain, j'ai vraiment pas de chance quand même. 1, 2, 4, quoi, putain. Sur un paquet à 400. Vive la poisse. Vive la poisse, vive la poisse. Si on se prend le troisième jeu. Vas-y, je tente. Bah les couilles des cartes. Je suis un Thug Life. Il est mon tonnerre. En vrai, elles doivent être plus fortes, je pense, ces cartes, mais... Mais bon, elles se font break quoi, elles ont beau être plus fortes, elles se font break et ça c'est nul à chier. J'aurais peut-être dû la garder. B+, regain B, physique. Ça a l'air de taper fort ça, mais pareil quoi. Bon, j'ai un souvenir perdu à 7, ça peut être pas mal.
2 souvenirs perdus à 7. Pourquoi j'ai que 2 glaciers à 5? J'ai pas mieux en glacier? Mais ça me prend quel deck là? Pourtant c'est censé me prendre de celui-ci. Ah mais non. Ah si. Bah si. C'est censé me prendre de celui-ci. Après peut-être que je peux pas non plus jeter les cartes qu'il y a dans les autres decks aussi. Ça paraît plutôt logique. Allez, j'enlève. Bon, les invoques, je vais laisser en fait. Ah, oui, si, elle est là. Beaucoup de choses avec ça, mais bon. On va dire que c'est mieux que rien. Une 7. Oh, une 7 et une 9. Ça, c'est BJ, ça. Une 8. Ça va, on peut s'en rajouter du coup un peu. On reste 240. C'est chaud. Putain, j'aurais dû prendre une... Faut que je monte au moins à 350 et que je m'achète une verte lourde. Je vais laisser celle-ci au cas où. Sauf si j'ai besoin de thunes. Mais c'est ok, je pense. Ah non, il m'en manque un peu. Bon, après, je peux toujours virer Cloud 1 en vrai. Achetons-nous celle-ci. Alors... Le truc c'est, est-ce que je me mets les 9 si je joue avec Ombre? Parce que dans tous les cas, faut que je joue avec Ombre parce que... J'ai pas assez de dés, enfin j'ai pas assez de cartes pour me faire un deck 9 quoi. Je perds pas mal de cartes si je mets pas de 9, c'est ça qui est chiant. On va partir sur un deck 8. Voilà, on part sur un deck 9-8. Sans ombre, on peut tenter. Bah, un peu comme le numéro 2 en fait. Ce serait exactement le même. On va voir. J'avais que 6 des 9. C'est pas ouf. En vrai, si, c'est bien. Mais c'est pas ouf. Le 7, je pense que je peux limite m'en débarrasser maintenant. Je vais me faire des decks full 9-8. Beaucoup de 8 en fait. J'ai énormément de 8. En fait, je peux me faire limite juste un deck 8 en fait. Je pense que c'est ok un deck 8. Deck 8 avec ombre.
que là j'ai 20 cartes attaque quand même. Je pense que c'est ok. Est-ce qu'on tenterait pas sans les 9? On tente sans les 9. On joue quand même avec ombre. Et du coup le reste je mets quoi? Parce qu'il y a ça aussi. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'après les attaques, on fout genre une potion plus 9. On va foutre deux potions plus 7. On peut essayer de mettre la méga potion vu qu'elle est à 5, vu que j'en ai une 5. Ça peut peut-être passer. Ensuite, on peut foutre des sorts. Non, on va se débarrasser de celle-ci. Qui c'est qu'on pourrait mettre? Alors, Autorez, lui. Genre. C'est sûr, augmente la vitesse de déplacement de l'Arxen. Ah ouais. C'est pas ouf. Enfin, c'est bien, mais c'est pas non plus insane, quoi. Conserve les cartes utilisées pour des tours. Ça, c'est fort parce que du coup, les cartes. Les cartes pour le stock. Les cartes que je stocke. Enfin, faut que ça soit un tour obligatoirement. Mais bon, la plupart du temps, c'est des tours. Et ben, elles sont stockées. Enfin, elles sont pas enlevées. Ça les conserve, du coup, c'est assez fort. Surtout sur les boss à la fin quand je spam les stocks. Je pense que ouais. Ah ouais, mais du coup mon deck, je joue ombre, on est d'accord. Mon deck, je le joue ombre. Donc je le joue à 8. Donc au final, ouais, compliqué de placer une autre carte en fait. Vraiment compliqué. Pro fossile, comme on dit chez moi. Pro fossile. À la limite, on peut mettre. Genre, soit une maléfique. Lui, c'est sûr que je penserai pas l'utiliser si mes HP sont bas. Parce que si mes HP sont bas, dans tous les cas, j'utiliserai plutôt Vexen. Pour qu'il me revive. Et une fois que je revive, à la limite, je pourrais. Vu que j'aurai sûrement plus d'ombre. Je peux limite. Ouais, faut que je pense au après en fait. Genre, si je die, faut que j'utilise une autre carte malus. Si j'utilise une autre carte malus, ça serait quoi? Ça pourrait être Riku. Parce que du coup, je peux vraiment spammer tout mon stock. Pour faire des tours. Et ça, c'est vraiment fort. Sans perdre de cartes, surtout ça. Je peux mettre crochet. Conserve 1 HP après un coup critique. S'il vous restait au moins 2 HP. Coup critique, on est d'accord que c'est un coup qui te tue, quoi. Je pense pas que ce soit vraiment un coup critique à proprement parler. Et il a 3 utilisations, donc ça veut dire que je peux revive, enfin je peux ne pas mourir, je peux être à 1 HP pendant, enfin 3 fois quoi, 3 fois de suite. Sauf qu'il faut que j'ai minimum 2 HP, donc faut que je me régène entre temps, donc c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Là, en parlant de régène, faut que je foot le sort heal et Bambi. Non, pas Bambi 0, non. Quoi que tu me diras.
Bambi Zero. Bambi. Bambi. Je peux mettre 3 Bambi, genre. Je mets 3 Bambi et comme ça, ça fait un Bambi. Un Bambi niveau 3, je pense. Niveau régène, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on a? Détruire la carte malleuse de l'adversaire à coup sûr. Ça, je sais pas comment ça marche en fait. Ça a l'air fort. Mais ça, à la limite, ça s'utilise au tout début, quoi. Mais est-ce que les boss utilisent dès le début les cartes malus? Ou alors je peux la copier carrément. Je peux la copier et ensuite la détruire. Enfin, ça part un peu trop loin. En vrai, je pourrais mettre Hades. Hades, c'est fort. Quand je revive, augmente la puissance des cartes attaques si vos HP sont bas. Donc mes HP seront forcément bas si je revive. Empêche les ennemis de briser vos cartes attaques. Ouais, pas trop. La vitesse de frappe des cartes attaques, ça peut être fort. Régénère progressivement les HP, ça peut être pas mal aussi. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être bien. Bon, après là, je parle condition boss en fait. Alors je suis pas du tout au boss encore, donc c'est compliqué ce que je fais. Genre si on fout le Riku. Et on fout, je sais pas moi. On met. Vas-y, on met Hades. Pendant 30 attaques, c'est bien assez. Il me reste encore des points non utilisés. J'ai pas tant d'attaques que ça. Hein. Comparé à d'autres decks. J'ai pas tant d'attaques, mais j'ai beaucoup de recharge d'attaque, du coup. C'est un peu la même chose. Par contre, j'ai pas de recharge de carte magie. Et j'ai pas d'élixir non plus. Et en plus, je dépasse. Et en plus, je dépasse avec un élixir. Il remet le compteur à zéro, c'est vraiment fort. À la limite, je peux peut-être jarter ça. Genre une popo. C'est risqué après. Hein. C'est ultra risqué. On va tenter comme ça. Je bute pas, on est d'accord. Bon, bah essayons comme ça. Des bisous sur YouTube. Vidéo un peu chiante comme d'habitude quand on refait le deck. Et voilà. À bientôt.